Bienvenue à toi sur la chaîne La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. Aujourd'hui, je te propose de prier avec moi, des prières de protection du soir. Allez, on commence tout de suite. Seigneur, nous prions pour que tous les contrats sataniques soient versés dans le sang de Jésus. Nous déclarons que ces contrats sont brisés, annulés et sans effet, car le sang de Jésus annule les écritures sataniques. Nous prions aussi, Seigneur, pour que toutes les graines sataniques soient déracinées et jetées dans ton feu sacré, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, iniquité et transgression à la loi. Pardon pour nos pensées impures. Pardon pour ce que nous avons vu que nous n'aurions pas dû voir. Pardon pour ce que nous avons entendu que nous n'aurions pas dû entendre. Pardon pour ce que nous avons dit, que nous n'aurions pas dû dire. Seigneur, nous prions pour que le sang de Jésus purifie notre cœur, notre âme, notre esprit et notre corps et nettoie nos yeux, nos oreilles et notre bouche. Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres des œuvres mauvaises, tu nous sauves pour nous faire entrer dans ton royaume céleste. Seigneur, nous prions pour que 10 000 tombent à notre droite, 10 000 tombent à notre gauche, mais rien ne va nous atteindre. La peste destructrice ne va pas nous atteindre au nom de Jésus. Amen. La flèche qui vole du jour ne va pas nous atteindre au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour que tes anges campent autour de nous pour nous arracher du danger. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils nous portent sur leurs mains, pour qu'aucune pierre ne heurte nos pieds. Nous prions, Seigneur, pour que nos ennemis, Seigneur, tombent dans leur propre piège et qu'ils récoltent le salaire de leurs méfaits. Tous nos ennemis tombent dans la fosse qu'ils ont creusée pour nous et nous, nous passons sans dommage au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que tout ce qui a été prononcé contre nous soit brisé, annulé et sans effet. Que tout ce qui a été prononcé contre nous et nos destins soit brisé, annulé et sans effet au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour être comme Daniel dans la fosse aux lions. Les lions sont devant nous, mais ils ne vont pas nous dévorer au nom de Jésus. Amen. Les ennemis rôdent autour de nous, mais ils ne peuvent pas nous atteindre au nom de Jésus. Amen. Nous sommes aussi comme les 3 juifs dans le feu, Seigneur, dans ce feu ardent. Le feu ne nous brûle pas au nom de Jésus. Amen. Le feu ne nous brûle pas au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous proclamons que nous n'allons pas être attrapés dans des filets sataniques. Le filet tombe avant nous, après nous, Seigneur, mais pas quand nous sommes là, au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus soit puissamment sur nous, à la maison et à l'extérieur de nos maisons, au nom de Jésus. Amen. Hein? Seigneur, peu importe ce qui se passe autour de nous, il y aura toujours une porte de secours, une porte de sortie, au nom de Jésus. Amen. Nous courons, nous rampons, nous escaladons. Nous sautons, il y aura toujours une porte de secours, une porte de sortie au nom de Jésus. Amen. L'ennemi ne peut rien contre nous, Seigneur, car tu es avec nous, car tu marches à nos côtés. Tu es notre Père et tu veilles sur nous au nom de Jésus. Amen. Nous prions, Seigneur, pour que tu continues d'éclairer notre chemin, que tu continues de nous donner la main et de nous guider au nom de Jésus. Amen. Peu importe ce qu'ils font contre nous, cela ne va pas réussir au nom de Jésus. Amen. Nous prions, Seigneur, pour que la vérité nous soit toujours révélée. Que tout ce qui a été chuchoté dans le creux de l'oreille, derrière des portes bien closes, soit crié au-dessus des toits. Les langues se délient au nom de Jésus. Amen. Les langues se délient au nom de Jésus. Amen. Ce qu'ils ne veulent pas nous dire, ils finissent par nous le dire au nom de Jésus. Amen. Sans s'en rendre compte, les langues se délient. La vérité nous est toujours révélée. Nous prions, Seigneur, pour que tout ce qui est caché et enfoui dans les ténèbres passe au grand jour, passe à la lumière au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour que nous puissions marcher sous le lion, l'aspie, le scorpion et le serpent. Rien ne nous fera du mal. Nous pouvons boire du poison, manger du poison. Rien ne nous fera du mal au nom de Jésus. Amen. Nous sommes protégés au nom de Jésus.
Seigneur, nous prions également pour que tu renforces notre barrière de protection céleste autour de nous, de nos maisons et de nos biens. Au nom de Jésus, amen, comme il est écrit dans Job chapitre 1, verset 10. Protège nos biens, protège nos maisons, au nom de Jésus, amen. Ne laisse pas, Seigneur, l'ennemi détruire ce que nous avons construit avec toi au fil du temps. Au nom de Jésus, amen. Enfin, Seigneur, nous chassons tous les esprits de doute, d'anxiété, de confusion. Au nom de Jésus, amen. Tu ne nous as pas donné un esprit de peur. Tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, nous prions pour que nous puissions avoir tous les jours un esprit d'obéissance à Dieu et de volonté de Dieu. Nous chassons tout esprit de désobéissance. Nous chassons tout esprit de prostitution. Nous avons qu'un seul Dieu, Seigneur, et c'est toi. Nous avons qu'un seul Dieu, Seigneur, et c'est toi. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui voit et un Dieu qui entend. Pas des statues de bois ou des statues de marbre, Seigneur. Nous servons le Dieu vivant, le Dieu qui est assis sous le trône, dont le règne n'a pas de fin, au nom de Jésus, amen. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu es notre Dieu, notre Père, notre ami, notre confident et notre protecteur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, tous les jours. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne détourne pas ton visage de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour faire ce qui est juste à tes yeux, ce qui te plaît et ce qui est bon pour toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Renouvelle notre intelligence tous les jours pour que nous puissions discerner ta volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, nous prions pour que tu retires tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Nous chassons, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi de nos vies, Seigneur. Nous voulons seulement faire ta volonté sur terre au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour que tu renouvelles nos forces. Nous voulons continuer d'avancer sur notre chemin au nom de Jésus. Amen. Nous voulons traverser les tempêtes avec toi au nom de Jésus. Amen. Nous allons aussi traverser la vallée des ténèbres car tu es à côté de nous. Nous proclamons que peu importe ce que l'ennemi fait, cela ne va pas réussir au nom de Jésus. Amen. Tu es avec nous et tout ce que nous faisons réussit. Peu importe ce qu'ils font contre nous pour nous faire échouer, cela ne fonctionne pas. Nous sommes déjà victorieux car nous marchons avec toi. Nous avons la victoire car nous marchons avec toi, Seigneur. Tu es à nos côtés. Tu es auprès de nous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Ainsi, nous proclamons que nous verrons l'impossible dans nos vies. Nous proclamons, Seigneur, que nous aurons la victoire au nom de Jésus. Personne ne peut nous arrêter. Personne ne peut nous arrêter au nom de Jésus. Amen. Nous marchons de bénédiction en bénédiction, de faveur en faveur, de miracle en miracle, de foi en foi, de victoire en victoire et de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Nous serons toujours victorieux car tu es auprès de nous au nom de Jésus. Amen.